C'est Requago. Aujourd'hui, nous allons faire. Je vais vous montrer le meilleur deck de Clash Royale pour les arènes 6. Ça. C'est ben pour moi, c'est lui. Avec composé d'un prince, d'un miroir, des barbares, de hordes de gargouilles, de gobelins, de chevaucheurs de cochons, de sorciers. Et l'extracteur d'élixir. Je vais vous faire un petit test pour que vous allez comprendre comment combattre avec ce deck. Au début, moi, l'habitude, je commence avec mon cochon pour faire un peu de dégâts. Quand il utilise son ballon, il utilise ça. Et on sera bientôt rendu à la partie la plus fun. C'est Max de Barbare. Parce que grâce à votre miroir, vous pouvez faire 8 barbares. Alors là, ça va complètement battre toute la tour adverse. Si, ben, à moins qu'il. Bon. La faiblesse de cette technique, c'est que si la personne a une roquette ou il a une troupe aérienne comme les gargouilles, ça peut pas l'arrêter. Mais il a raté sa cible. On va lancer. On est presque à le battre. Bon. Je suis. Bon. Et nous avons aussi cet extracteur d'élixir, parce que grâce à ça, je pourrais acquérir de l'élixir plus rapidement. Avec le bébé dragon, c'est pas grave, on le laisse attaquer, ça va pas tuer notre tour. Et notre prince va faire beaucoup de dégâts dans notre tour. Comme ça. Regarde, s'il utilise ses gargouilles, j'utilise mon sorcier. Ils seront morts one shot. Maintenant, nous allons faire. Vous pouvez aussi faire max troupes aériennes. Genre ça. Milliards de troupes. Bon, c'est vrai à cause de ça, ça. Ok, et maintenant, vous utilisez votre. Cochon parce que il focus juste au bâtiment et voilà. Voilà, c'était ça. Je vais vous montrer bon, en fait, oui, je vais vous montrer un gameplay, celui-là. Pour voir qu'est-ce que ça donne. Je suis contre un nouveau set, alors c'est sûr que j'en ai gagné. Lui, mais son géant. Moi, j'utilise mon cochon pour faire un peu de dégâts. Il utilise ça. J'utilise mon sorcier. C'était dans l'autre côté que c'était un peu difficile, je mets ça. Il avait une chance qu'il n'avait pas des fléchettes, sinon j'aurais perdu. Alors lui, il utilise ses gobelins pour attaquer mes gargouilles. Au moins ça a encaissé beaucoup de dégâts. J'utilise mon miroir pour attaquer les barbares. J'utilise mes gobelins pour que comme ça va attaquer les autres gobelins. Et là, il utilise une boule de feu. Ça fait mal. Bon. Là, c'était là où j'essaie de récolter. Lui, il avait mis son géant. Alors moi, je me suis dit, j'ai qu'à recommencer la technique qu'on avait fait au tout début. Alors là, il a utilisé son canon. C'était un peu difficile. Il avait une défense. Alors après, j'ai utilisé mes barbares,
sans que sache qu'il ait mis ça. J'ai mis mon sorcier, j'ai cru qu'il allait attaquer ce bombardier. Mais en fait, pas vraiment. Après, j'ai utilisé mon horde de gargouilles. Ma horde de gargouilles. Et je suis allé le combattre. Voilà, comme ça. Mais j'y étais presque, j'ai pas réussi. Alors là, j'ai utilisé mon prince, parce qu'il fait beaucoup de dégâts. J'ai utilisé double prince, pour comme ça, je vais aller combattre la tour là-bas plus rapidement. J'ai mis mon cochon. Et puis, au moins, ça a laissé au chevaucheur de cochon d'attaquer. Et alors ici, j'avais pas beaucoup d'affaires à faire. J'ai utilisé ça. Mais à cause de ça, il m'a battu une tour. Je faisais que. Et voilà. Bah, c'est pas fini. C'était un peu difficile. Bon. Là, j'ai utilisé mon cochon pour vite prendre la tour, mais sauf il m'a utilisé ça, un canon. Alors là, je savais plus quoi faire. Je me suis dit de mettre ça. Et de mettre. Ah, sans faire exprès, j'ai mis ça ici, sans faire exprès, ouais. Je voulais la mettre et là où il y avait beaucoup de troupes, mais ils sont faits comme si je l'avais mis au milieu de l'autre tour. Et ben voilà. Là, j'ai mis. Je savais pas qu'il avait mis ça, mon cochon. Qui sert à rien. Et après, j'ai mis max ça. J'ai mis max. J'ai fait tout plein, tout plein. Mais sauf, il l'a pas mis dans le bon. Là, il y avait ce canon qui était parti. Et après, j'avais mis tout plein. Au moins, ça protégeait du sorcier. Et j'ai gagné, bah, je voulais dire du prince. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai gagné. Et j'ai utilisé aussi ça, une victoire avec ça. Et il y a eu une égalité avec ça parce que lui, il avait le sorcier de glace, c'est ma faiblesse. Et ben voilà, bon. C'est déjà la fin de cette vidéo, alors je vous dis au revoir.